Et le Lamifa, aujourd'hui c'est tout pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des filles, mais plus particulièrement de comment les faire craquer. Dans cette vidéo les gars, je vous ai préparé les 4 plus grandes qualités masculines qui vont attirer une fille et je vais un petit peu vous dire comment les développer, comment les faire ressortir. Mais avant qu'on en parle et que je vous balance tous les petits secrets, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon Instagram car c'est là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur, où je discute avec vous en message en privé. Voilà, si vous avez une question, quelque chose à me demander par rapport à votre situation personnelle, par rapport à un problème de cœur, etc., n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à m'envoyer un message en privé, je viendrai vous aider. Et aussi, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai ouvert une chaîne YouTube Gaming. Donc je vous mettrai le lien dans la description, juste ici. Si vous voulez voir des vidéos gaming, etc., il n'y aura rien sur cette chaîne. Mais j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici les 4 qualités qui attirent une fille. C'est parti! Alors, la première qualité qui attire une fille est une qualité évidente. Il s'agit tout simplement de faire preuve de tendresse et d'attention. Cependant, ce n'est pas aussi facile les gars, ça ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous les filles, on fait ultra attention aux détails. C'est les petites choses qui comptent. Donc quand on remarquera qu'un mec nous porte de l'attention par tous les moyens possibles et qu'il se penchera sur les petits détails pour nous faire plaisir, et bah c'est là où on va craquer. C'est clairement notre point faible, donc utilisez-le messieurs. Ensuite, la deuxième qualité pour attirer une fille est un petit peu moins évidente mais tout aussi importante. Pour réussir à séduire une femme, il faut absolument que vous soyez convaincant. Et là, je vous parle pas de lui faire tout un speech ou de sortir vos meilleures disquettes pour essayer de la pécho. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais il faut que vous lui montriez quel homme affirmé et actif vous êtes dans la vie. Un mec décidé qui sait ce qu'il veut dans tous les domaines de sa vie, donc domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial, etc. Et qui est enthousiaste, attirera beaucoup plus de femmes qu'un mec paresseux qui est un peu coincé dans sa petite routine de vie. Vous savez un petit peu ce genre de personnes qui subissent leur vie, qui sont un peu passifs. Ce genre de caractère n'attire pas les filles. On est là, on a envie d'un mec ambitieux qui est là, qui donne tout ce qu'il a. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. N'oubliez pas que vous êtes le seul acteur de votre vie, donc prenez votre vie en main et allez suivre vos rêves. Voilà, c'était la minute philosophique. Ensuite, la troisième qualité qui attire une fille est évidemment l'individualité. C'est cette qualité-là qui va vous permettre de vous démarquer des autres et d'exploiter au maximum votre potentiel séduction. Alors, pour ça, on va faire un petit exercice ensemble. Essayez de répondre à ces 3 questions. La première, de quoi suis-je fière dans ma vie? La deuxième, qu'est-ce qui me différencie des autres mecs? Et enfin, la troisième, comment pourrais-je surprendre cette femme? C'est très simple les gars. Les filles cherchent, comme vous, l'exception, la perle rare, le gars différent des autres. Il faut que vous alliez chercher le petit détail que tous les mecs que la fille a eu avant vous n'a pas fait. Par exemple, essaye de te lever 10 minutes le matin avant elle pour lui faire un petit déjeuner. Là, elle va se dire « Ah, il pense au détail, il pense à moi, il est attentionné et il m'a surprise. » Ou alors, proposez-lui un date insolite. Et en fait, c'est avec la surprise qu'on va créer un fort lien et que la fille va se dire « Waouh, faut pas que je laisse ce mec passer, genre, c'est lui, c'est pas un autre. » C'est avec ce genre de petit détail qu'une fille craquera. Et enfin, la quatrième et dernière qualité pour réussir à séduire une fille, c'est tout simplement le sens de l'humour et l'aisance sociale. Vous le savez tous maintenant, les filles craquent toutes pour un mec qui a de l'humour et qui a un bon sens de la répartie. Donc n'hésitez pas les gars à tout miser sur votre humour, n'hésitez pas à peaufiner cet humour, faites rire la fille et créez une complicité avec elle. Essayez vraiment de mettre votre timidité de côté et osez faire des blagues un petit peu tendancieuses pour sexualiser la conversation, osez même faire des blagues pourries, je vous jure que ça marche. Mais attention, encore plus important que l'humour, nous avons l'aisance sociale. Il faut que vous montriez que vous êtes à l'aise en société, que vous avez un petit peu du bagou, que vous êtes là, affirmé, que vous savez ce que vous avez envie. Voilà, montrez aussi combien les autres vous apprécient. Le statut social est important pour une fille, ça peut vous rajouter beaucoup de points de charisme, donc n'hésitez pas à montrer que vous êtes à l'aise en société, vous avez des amis et qu'ils vous apprécient.
Et oui messieurs, un bon cocktail de ces quatre qualités et la fille de vos rêves craquera à 100%. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas et venez me dire en commentaire quelle est la plus grande qualité nécessaire pour draguer une fille. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube Gaming, le lien est dans la description, et venez me rejoindre sur Instagram pour suivre les actualités. Et puis comme ça c'est fait la MIFA, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.